Se réinventer malgré la crise, c'est le défi que tentent actuellement de relever les entreprises. Alifol-Legrand dans les Vosges, Henriot et compagnie fabriquent des meubles de luxe pour les restaurants et hôtels, un secteur à l'arrêt depuis des mois. La société a su trouver d'autres débouchés. Elle vient de se lancer dans la production donc de paravents anti-Covid haut de gamme. Grégory Boileau avec Michael Martin. C'est une petite curiosité. Voici la dernière nouveauté construite et assemblée ici. Un paravent destiné aux terrasses des restaurateurs. D'ordinaire, ce sont des meubles haut de gamme que l'on fabrique chez Henriot et compagnie. Mais l'entreprise a su se renouveler et proposer ce nouveau produit à quelques jours de la réouverture des restaurants. Le but, c'est de pouvoir faire quelque chose de vraiment agréable à l'œil, qui s'intègre parfaitement dans la restauration. On peut réaliser d'autres produits sur cette base-là, qui vous permettra peut-être de séparer les salles, de pouvoir rapprocher peut-être un peu les tables, de rassurer les clients, parce que ça aussi, c'est très important. Et puis, de ne pas avoir des choses qui soient trop laides et qui soient plutôt esthétiques et bien faites, quoi. Faire face à la crise et s'adapter au contexte, une habitude pour cette entreprise qui existe depuis 154 ans. Henriot et compagnie est spécialisé dans la fabrication de meubles pour les restaurants et les hôtels haut de gamme. Des secteurs à l'arrêt depuis des mois. Mais la société a su tenir bon grâce notamment à plusieurs commandes de propriétaires de résidences de luxe. L'entreprise est quand même saine, donc au niveau de trésorerie et fonds propres, on est solide. Ça, c'est aussi un facteur très important. Et on a fait un PGE avec l'État qui nous a prêté de l'argent. Ce qui fait que sur le plan trésorerie, enfin moi, en qualité de chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup moins stressant d'ouvrir le matin ses comptes en banque et voir qu'il y a toujours de l'argent, même si on ne l'utilise pas et on ne l'utilisera pas et on le remboursera. Mais psychologiquement, c'était très important de voir ses comptes remplis, de pouvoir assurer les salaires des compagnons. C'était quand même beaucoup plus serein. Et les commandes repartent déjà à la hausse. L'entreprise a été sollicitée pour meubler et aménager deux nouveaux hôtels et restaurants à Paris.